Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer à Clash Royale 29, on est des fous. Là vous dites mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh ben, quelque chose. Voilà, donc du coup on va ouvrir le coffre gratuit, parce qu'on aime bien quand c'est gratuit, tu vois. Tu vois, nous on paye pas, nous on n'est pas un rat de la société, tu vois, nous on paye pas, nous, tu vois. Nous on n'est pas comme ces bouffons là qui payent et tout, c'est ça. Non, je suis pas jaloux, qu'est-ce que tu dis là-haut? Pas du tout. J'ai ma personnalité. Moi, je ne paye pas. Bon, alors. voilà, donc, coffre gratuit. 40 pièces. Ouais, mais attends, c'est énorme, c'est énorme. 2 gemmes. Oh là là, on est presque riche. Alors, tu te fous de ma gueule, en fait. D'accord. Ah, ça, c'est bien. Ça faisait un petit moment, j'en avais pas eu. C'est cool, c'est cool. Ah là là, petit à petit, on augmente. On va bientôt pouvoir améliorer des niveaux vite, là. 48 d'or. Putain, ça, c'est bien. Oh, ça c'est bien, au moins on en a pas plus. Et ça c'est magnifique, mais ouais, carrément. Alors, 46, tu m'en donnes moins toi, mais t'es méchant. Bombardier, tiens, ouais, j'en ai pas beaucoup. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, il faut dire aussi que t'arrêtes pas d'en demander, du coup, bah, zip, ça baisse. Et du coup, bientôt je vais plus en avoir. Alors, ça je m'en fous complet, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que t'as toi? Tu as 46 d'or, mais c'est magnifique. Voyons, t'as plus. 5 chevaliers. Mais tu fais plaisir. Non, tu fais plaisir. Oh là là, un mini PK, je m'en fous, mais tu fais plaisir parce que c'est du rare. Et c'est ça qui est bon. Alors, toi, t'as intérêt à me donner un bon truc. Une bonne mousquetaire. Là, je le sens. Toi, ça le sent, tu vois, une bonne mousquetaire. Ouais, tu te fous de ma gueule. T'aurais pu en m'en donner plus quand même. Non, mais juste un gobelin, le mec. Le mec, il aurait pu me donner au moins 5 ou 6 gobelins, tu vois. Non, un seul. Ok, non, tout à fait. Ah, ça, ça fait plaisir, ça. Ça, ça fait plaisir. Non, ça, par contre, ça fait chier. Mais vraiment, non, c'est de la merde la Tesla, c'est de la merde. C'est chiant quand les gens l'utilisent, mais c'est de la merde. 2 tours à bombe. Je m'en fous, mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Imaginons comme ça, je sais pas pourquoi, j'ai envie de l'améliorer. Bouf, je peux. Bon, je l'améliorerai pas, parce que bah c'est de la merde, mais voilà. Non, ça peut être pas mal, hein, mais quand tu dis que le bombeur fait aussi mal, ça fait un peu chier. Alors... Alors, enfin aussi mal, j'en sais rien, moi, ce que je te dis, 264, ouais, non mais c'est même pas ça, 92, ouais, attends, viens ici, putain, il faut rester appuyé, oh, c'est tout, oh, les enculés, normalement, il montre, bon, c'est pas grave, donc, il casse ses couilles, normalement, ça montre directement. Ah, ils ont culé. Normalement, ça mettait directement info comme ça, là. Et là, non. Vas-y, en mode enfoiré et tout, ils montrent juste le petit truc de merde, quoi. C'est vraiment des enfoirés de merde, ça. Ah, enfin, bon. Allez, hop, on ouvre le coffre à couronne maintenant. Eh oui. Mais bon, c'est comme ça. Faut bien l'ouvrir un moment. Et ben, on va l'ouvrir maintenant. Bon, il faudrait bien qu'il arrive à l'ouvrir, quand même. Donc, 149 d'or. Putain, on est presque à 3000 or, les gars. On est des fous. 2 gemmes, ok, donc... Un canon, mais pourquoi pas. 4 chevaliers. Mais on est des grands malades. On a 4 chevaliers, mais attendez. Oh là 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 là. On a 13 barbares, ça peut être pas mal aussi, ouais. On a... Oh bah voilà. Bah voilà, mais tu fais plaisir, là. Là, tu fais plaisir. Bah oui. Ah, il fait plaisir, ce mec. Non, mais il y a 2 mousquetaires. Il en manque plus qu'une seule et on peut l'améliorer. Mais je l'améliore direct. Hein. Bon, je peux pas l'acheter, malheureusement, parce qu'il y en a pas. Sinon, je l'aurais fait, bien sûr, je l'aurais fait. Je suis pas con, tu vois, je l'aurais fait. T'as vu, j'ai acheté un peu de gobelins et tout. Ah ouais, non, mais je suis un fou, moi, tu vois. Je suis un ouf. Alors, bon. Et bah, du coup, on va se faire 2-3 attaques. Ouais, on va se faire comme ça, une petite, comme ça, tranquille. Une ou deux. Et puis voilà. Donc, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Bon. Après une victoire écrasante, essayons de faire un peu mieux, quand même. Parce que, bon. C'est pas que le mec m'a fait un viol pur et simple, mais un petit peu, quand même. Ah, juste un petit peu, hein. Je dirais pas plus. Bon, par contre, j'ai le démon, parce que là, il envoie un putain de PK, et ça fait mal au cul, les PK, mais je peux te le dire que ça pillèche. Hein. Ah ouais, non, mais les PK, laisse tomber, je... C'est casse-couille, mais un point. Tu verrais la vie que ça a, c'est merde. Tu peux rien faire contre les PK. Tu peux rien, mais rien, ni faire. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade, comme les PK, tu peux rien, ni faire. C'est un truc de malade. Un pur et simple truc de malade. Regarde-moi cette vie de ouf, quoi. T'es obligé de défendre, mais...
Tu défends, mais avec tellement de points pour un PK, c'est trop cheaté. Le PK, je le redis, c'est trop cheaté sa mère. C'est un truc de ouf. C'est une troupe qui devrait pas exister. C'est un peu comme, non, laisse tomber. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit dragon. Vas-y, hop là, il leur renvoie un PK, mais tranquille. Le mec, il vient juste d'attaquer, il renvoie un PK. Il vient d'en mettre un à l'instant, là. Il a mis 2-3 troupes, boum, il renvoie un PK. Pas de soucis, non mais bon, c'est gratuit. Et le PK, moi je dis, encore une fois, c'est trop cheaté. Y'a aucun moyen de le niquer. Il suffit de mec qui mette les bonnes troupes et boum, il est invincible son PK, invincible. Regarde, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. T'as aucune possibilité de faire quoi que ce soit. Et puis voilà, le mec suffit qu'il mette un dégât de zone et un dégât puissant comme la mousquetaire et pff, tu peux rien faire. Tu ne peux rien faire, c'est vraiment de la merde le PK. C'est un truc de fou. Regarde, t'as vu les points de vie qu'il enlève? Attends, tu peux rien faire mon gars, le PK c'est vraiment un truc de fils de pute. Voilà, c'est vraiment un truc d'enculé, je suis désolé, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir autant de points de vie, d'avoir autant de dégâts, c'est pas normal. Enfin bon, voilà, il y a un moment, faut savoir régler son jeu. Bah là, il est mal réglé ton jeu. Supercell, t'es une merde. Non mais bon, je sais pas, il faut arrêter d'être con des fois. Et il faut savoir faire un jeu. Enfin, je sais pas, Supercell, ça fait combien? Ça doit faire 6, 7 ans, peut-être même 8, j'en sais rien. J'ai pas les chiffres en tête, mais ça fait déjà pas mal d'années que vous faites des jeux. Vous savez quand même un minimum cadrer vos jeux. Enfin, je sais pas, quoi. Enfin, à un moment, faut savoir jouer, quoi. Enfin, voilà. Je suis désolé, mais bon, enfin, il faut savoir jouer, il faut savoir faire un jeu. Enfin, je sais pas, vous faites un jeu, c'est pas pour faire de la merde derrière, quoi. Ah ouais, non mais bon, ils savent pas jouer, enfin ils savent pas faire un jeu Supercell, c'est un truc de fou. Regarde, voilà, tu fous ta petite troupe de merde et boum, tu peux rien faire contre le PK. Bon, le gars il joue un peu comme une merde là, mais bon, malgré tout, avec le PK, si tu l'utilises bien, tu peux pas le contrer, c'est pas possible. T'as beau avoir n'importe quelle troupe, le PK tu pourras pas le contrer, c'est un truc de ouf. Hein. Ah ouais, non mais le PK, je le redis, c'est vraiment de la merde. Mais je m'en bats les couilles gros, tu utilises le PK et alors, t'as pas à gueuler. Tu utilises une troupe de merde, bah tant mieux pour toi si t'es mort. Putain, c'est le fils de pute. Non mais je sais pas quoi. Ah là 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 là. Enfin bon. Ah ouais, non mais c'est PK, franchement. Et le mec il commence à se plaindre. Oh, j'ai perdu. Bah ouais, bah alors. Je vais te faire foutre. Non mais il a cru quoi le mec? Bon, on va se faire une petite dernière attaque. Et puis voilà. Bon. Ce qu'on va mettre... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les petits gobelins à lance, tranquille. Allez, merci beaucoup. On va se mettre un petit dragon, tranquillou. Petits archers, tranquillou. Petits mousquetaires, tranquillou. Alors eux, ils vont plus vite que le dragon, ça m'énerve. Ça m'énerve même beaucoup. Non mais... Oh, vas-y, il meurt tellement vite, ce PD. Hein. Allez, voilà, casse-toi. Niquez-moi bien cette tour. Ça va, ça passe. Ça passe, ça passe. Ça passe ou ça casse, et bah ben là ça passe. Allez, niquez-le. Oui, vous pouvez y arriver. Mais carrément, ça c'est bon. Ça. T'as vu ça un peu? Ça c'est de l'attaque, mon petit. Bien, tu fais ça là. Tranquille, regarde le petit bomber là. Boum. Et boum. Et c'est nickel, mon petit. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va mettre le petit chevalier devant. Le petit dragon. Bon, le chevalier qui est très très lent, c'est chiant. C'est chiant, clairement. Mais c'est pas très grave, parce qu'on va y arriver à le niquer. Bah voilà, mais nickel, mais bon, on est puissant. Là, on est puissant, tu vois. Là, c'est une bonne attaque. Voilà, le mec, il sait utiliser un missile. Bah voilà. Tu vois, le mec, c'est pas le mec qui l'a fait l'enculé, il a utilisé le missile sur la tour, tu vois. Non, il l'a utilisé sur mes troupes. Ça, c'est un gars, il mérite de gagner. Bon, il va pas gagner, parce que bon, c'est une merde, mais... Non, je rigole. Non, ouais, ça c'est des bons gars, ça c'est des vrais joueurs, tu vois, des joueurs qui sont pas enculés, qui ont un minimum de respect pour les autres, ça c'est bien ça. C'est des joueurs que j'aime bien, tu vois. Bon, on va essayer de résister un maximum, histoire de pas trop se faire enculer, parce que sinon ça fait mal, très très mal. Ok, donc si je te défonce ton ballon là, ça te va ou pas? Non, ça te va pas? Bon, c'est pas grave, je dois remettre le chevalier, voilà. Qu'est-ce que je te dise? Ah non, c'est bon, j'ai pu mettre ça à l'avance. Oh, mais c'est génialissime. Oh merde, il a presque détruit ma tour, là. Wow, tu vas te calmer, mon T1, hein, ça va pas le faire si tu détruis ma tour et tout, là. Non, moi j'ai pas envie, moi. Hein. Moi, je suis pas non plus... bon, je suis pas là pour déconner, hein. Regarde, tranquille, là, boum. Et voilà, le mec, il est con. Et oui, il est con.
Si, si, je t'assure, il est con. Ah ouais, non, mais là, c'est un point, il est très très con. Hein. Non, mais le mec, il met sa sorcière tranquillou et tout, tu peux la niquer comme tu veux. Ah bon, c'est tranquille, quoi. Ah merde. Du coup, il faut que je mette. Ah ouais, non, ça va pas le faire, ça, gros, si tu fais ça, là. Non, mais ça va pas le faire, si tu fais ça, ça va pas le faire. Moi, je défends à mort, là, mon gars. T'as cru quoi, toi? Non, pas ça, s'il te plaît. Oh, j'avais dit que t'étais un bon joueur, sale fils de pute, bah. Putain, j'avais dit que t'étais. Oh, vas-y, tu me saoules, mon gars. Vas-y, non, mais c'est bon, tu me saoules. Non, mais je vais te niquer ta tour. Bah, attends. Il y a un moment, faut arrêter les conneries. Wow. Je suis là, tranquille et tout. Toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu me niques, toi. Non, mais bon. Il y a un moment, voilà, faut arrêter les conneries. Moi, je vais niquer ta tour, et puis voilà. T'as vraiment cru que t'allais gagner, mec? Bah, attends, t'as vraiment cru que t'allais gagner? Enfin. Il y a un moment, faut rester honnête avec soi-même, hein. Enfin. T'es nul, quoi. T'es. Enfin. Après, je dis ça. On sait jamais. Retournement de situation, ça existe. Mais malgré tout, quoi. Ça m'étonnerait. Ah, tu préfères l'égalité que je gagne? Bon, tu sais quoi, je vais prendre le 3 étoiles parce que tu commences vraiment à me saouler. Ouais, par contre, là, tu risques de prendre le truc, hein. J'ai pas trop envie que tu me niques ma tour. Ça serait sympa. De ta part. De ne pas le faire. La putain de ta race. Non, t'es pas possible. C'est pas possible, hein. Mais putain de bordel de merde. Mais arrête tes conneries, gros. Tu me saoules. M'en fous, tu l'auras pas, ma tour, la putain de ta race. Je préfère l'égalité que t'enculé, connard. Ah là 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 là. Bon. Eh ben, c'est une petite égalité de merde. C'était bien parti, mais c'est une petite égalité de merde. Parce que l'autre connard a fait quoi? A fait l'enculé. Donc forcément, quand le mec fait l'enculé, bon, bah oui, il fait l'enculé. Il gagne, hein. Les joueurs, les mecs qui font les jeux vidéo, ils font les enculés. Bah, qu'est-ce qui se passe? Derrière, ils gagnent de la thune. Les marchands, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les enculés, qu'est-ce qu'ils gagnent? De la thune. Mais ouais, tu fais l'enculé, tu gagnes de la thune. Tu fais le gros connard, tu voles les gens, t'arnaques les gens, tu gagnes de la thune. Dans les jeux, tu fais l'enculé, tu gagnes de la thune. Enfin, tu gagnes pas de la thune, mais tu gagnes ton combat, bah voilà. C'est pareil, donc c'est la logique même. Tu fais l'enculé, tu gagnes. Voilà, mais seulement, faire l'enculé, c'est irrespectueux. Ça, je pense qu'ils s'en battent les steaks, hein, sinon ils le feraient pas. Et c'est pas, y a pas que ça. Il y a aussi que ça me saoule. Donc, pour pas que ça me saoule, arrêtez de faire ça, bordel de merde. Enfin bon, je pense qu'ils en ont rien à foutre, mais bon, c'est pas très grave, voilà. Donc du coup, on va se laisser là. On part sur une petite égalité. Ça vous va ou? Non, espèce de connard, va, je suis pas venu regarder une égalité, moi. Ah, merde. Bah, je m'en fous. Voilà, donc du coup, je vous dis à une prochaine vidéo. Si t'as pas compris, remets, tu verras, tu comprendras toujours pas. J'adore dire ça. Voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Allez, ciao tout le monde. Ciao.